à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shana et Jonathan qui viennent de s'exprimer pour la première fois depuis leur heureuse annonce hier. En effet, ce dimanche, le couple a révélé qu'ils vont bientôt devenir parents de jumeaux. Ils ont officialisé la grossesse de Shana, puis se sont coupés des réseaux sociaux. Tout à l'heure, Shana et Jonathan ont fini par se confier sur cet heureux événement. Ils préparent une série de vidéos sur tout ça qu'ils posteront sur leur chaîne YouTube. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie le solitaire, Daniel et Mimi, qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Salut les amis! Bon, ça fait bizarre. On est content, mais ça y est, ça fait bizarre. Ça y est, c'est dit. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Donc, bon, on est au courant, bien évidemment, depuis un petit moment de ce qui se passe. Maintenant, voilà, on a voulu prendre notre temps, tout ça, parce que ça nous regarde et c'est notre vie. Mais par contre, c'est vrai qu'on a envie de partager avec vous un petit peu ce qui s'est passé. Le truc est qu'en story, bah, ça dure 24 heures. Oui, c'était pas français. Le truc est. Ça dure 24 heures. C'est hyper court pour pouvoir tout vous raconter parce qu'il y a comment on l'a découvert, comment on l'a annoncé à nos proches, tout ça. Et donc du coup, on a décidé de faire des petites vidéos qu'on va mettre sur notre chaîne YouTube Un mec, une meuf. Comme ça, nous, ça nous fait déjà des souvenirs dans un premier temps parce qu'au moins dans quelques années, on pourra les regarder. Et au moins, vous allez pouvoir avoir toutes les étapes de ce qui s'est passé. Et voilà, donc du coup, d'ailleurs, ce soir... Premier épisode. Première petite vidéo. Je reprends donc ce soir, donc première vidéo, vous allez pouvoir découvrir comment on l'a appris, la réaction de nos proches, c'est assez drôle franchement. Et à quelle heure mon amour? 18h ou 19h? Nous on a rendez-vous à 20h, il y a 2h décalage à 18h, on dit 18h30 comme ça on est sûr. Ouais, 18h30 du coup, restez connectés, on vous mettra du coup la première vidéo et voilà. Sera sur notre chaîne Un mec, une meuf. Juste par contre, pour vous remercier parce que franchement, c'est assez impressionnant. S'attendez pas à ça sur le post qu'on a fait hier. Il y a je sais pas combien de likes, je sais pas combien de commentaires. C'est énorme. On peut pas répondre à tout le monde. Mais un grand merci, voilà, parce que franchement, vous êtes tous très mignons. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Et du coup, rendez-vous ce soir à 18h30 si vous voulez connaître un petit peu plus en détail tout ce qui s'est passé. Ça y est les amis, c'est officiel, je vais être papa, mon amour va être maman et on va avoir des jumeaux. Hier on vous l'a annoncé, on vous a mis une petite photo, ça faisait un moment que on le savait, mais on attendait le bon moment, on vous expliquera tout bien sûr. Ce que je voulais vous dire c'est merci déjà parce que vous êtes énormément à nous envoyer des messages, à nous écrire. Donc merci pour tout cet amour que vous nous envoyez en pleine gueule, ça fait vraiment chaud au cœur. Et on sait que notre vie c'est le partage avec vous et tout vous dire, tout ce qu'on a vécu, tout vous montrer ici en story c'est impossible. Il s'est passé tellement de choses, du coup on a décidé de vous faire des petites vidéos qui vous résument ce qu'on a vécu depuis qu'on a appris que les graines sont plantées. Et du coup vous retrouverez tout ce qu'on a vécu sur notre chaîne YouTube et on a hâte de le partager avec vous dès ce soir d'ailleurs à 18h30 pour la première petite vidéo. J'ai deux enfants en train de pousser. Vous pouvez tous maintenant mater le ventre de mon bébé. On l'a annoncé, c'est fini de se cacher. Yo, ma femme maintenant, elle peut chanter délivrée.